Allez les amis, on est parti pour comprendre une phrase qui revient beaucoup en contrôle, c'est qu'est-ce que c'est que les limites d'une fonction aux bornes de son intervalle de définition ? On se fait ça tout de suite. Quand on vous donne une fonction de ce type-là, qui est définie sur un certain intervalle, les bornes de l'intervalle de définition, c'est tous les endroits, tous les nombres pour lesquels on pourrait se poser la question de la limite. Prenons le cas de f de x. Elle est définie sur R privé de 1. C'est-à-dire que je vais mettre là-dedans tous les nombres réels de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais y exclure 1. Et c'est tout. Du coup, les limites potentielles, d'ailleurs, d'abord celle-là, la limite en plus l'infini, et évidemment celle-là. Et il y a évidemment celle quand je me rapproche de 1. Mais attention, quand on se rapproche de 1, on peut y arriver par la gauche ou on peut y arriver par la droite. Donc en fait, on va calculer quatre limites. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1, 1 plus. Et la limite de f de x quand x tend vers 1 en étant négatif. On va pas se le faire ici. Moi, j'aimerais que vous le fassiez dans l'exercice en dessous, en reprenant les limites et en essayant de les trouver les 4 en regardant les calculs qu'on a fait avant. Ça, c'est un cas typique. Vous allez avoir un problème pour la limite en 1, ça va vous faire du 0 sur 0, sauf que vous savez comment enlever du 0 sur 0. On fait un petit coup de déterminant. En plus l'infini et moins l'infini, vous allez aussi avoir des formes indéterminées, sauf que vous allez lever en plus l'infini et en moins l'infini, en factorisant en haut et en bas par le plus haut degré, comme vous l'avez déjà fait plein de fois. Faites les exercices en dessous, ils vont vous faire vraiment du bien. Ça commence à ressembler à ce que vous avez en contrôle. Il y a des corrections ultra détaillées. À vous de jouer, vous êtes des champions.